Ici, nous allons entrer dans la phase 2. La phase 2 consiste à quoi? Consiste tout simplement à ce que David veut masquer sa faute. Maintenant, parce qu'il sait qu'il a commis une faute, il veut masquer sa faute, il veut cacher sa faute. Dans le verset 6, on dit, alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri, le Hittite. Et Joab envoya Uri à David. Pourquoi il demande à ce qu'il veut voir le mari de cette femme-là qu'il avait souillée, qu'il avait salie, qu'il avait commis l'adultère? Parce qu'il savait que cet homme, selon les Bibles classiques, était en guerre. Était allé en guerre, à une bataille. Donc, et que cette femme-là, ça faisait un long moment, cette femme n'avait pas eu de rapport sexuel avec son mari. Donc, si elle revenait à être enceinte, lui, David, il saura, il sait que ça ne peut pas être de son mari. Donc, David, selon les Bibles classiques, ce qu'il a voulu faire, c'est quoi? C'est qu'il a voulu faire en sorte que, parce qu'il savait la période où cette femme est tombée enceinte, est devenue enceinte. Maintenant, à cette période, il devait faire ramener le mari de cette femme pour que le mari de cette femme rentre chez lui et qu'il couche avec sa femme. Comme ça, quand on va avoir un gros ventre qui va sortir, on dira forcément que c'est le mari de la femme qui a fait ça. Voilà, parce que David voulait couvrir sa faute. Donc, alors David fut dire à Joab, envoie-moi Uri, le Hittite. Le Hittite. Et Joab envoya Uri à David. Envoya Uri à David. Uri se rendit vers David. Il interrogea sur l'état de Joab, du peuple et de la guerre. Et de la guerre. Vous voyez, c'était la guerre. Verset 8 ici. Puis David dit à Uri, descends chez toi et prends un moment de détente, de détente. Uri sortit du palais royal suivi d'un cadeau du roi. Donc le roi ici l'a flatté. Le roi savait ce qu'il avait fait, il voulait cacher sa faute. Donc il a soudoyé, une sorte de soudoyement à Uri. Il a donné des présents, il a dit maintenant range-toi, ben, repose-toi, tu mérites, va prendre un moment de plaisir avec ta femme, comme ça quand elle va être enceinte plus tard, David il va dire, ah, on ne pourra pas dire, ah, le roi a commis de l'adultère. Mais sauf que le monde spirituel est et sera toujours informé de ce qui se passe dans le visible. Donc on vous apprend ici, mais il se coucha à la porte du palais royal. Donc, Uri n'est pas rentré chez lui. Il s'est plutôt couché sur la porte du palais royal. Avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit pas chez lui. Donc, il n'est pas descendu chez lui. Descendu chez lui plutôt. C'est-à-dire, on a informé David en lui disant, Uri n'est pas descendu chez lui. Donc, David... Quand on informe à David que Uri n'est pas descendu chez lui, il se dit, mais s'il ne descend pas, plus tard le ventre de cette femme va sortir, forcément tout le monde saura que c'est lui, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui sont allées chercher cette femme. Et on sait que les gens murmurent, les gens parlent, le Congo ça, il y a des balances. Donc vous apprenez ici, on a informé à David en disant, Uri n'est pas descendu chez lui. David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Donc David ne peut pas, ne va pas lui donner un ordre direct d'aller vite coucher avec sa femme, sinon Uri lui-même va se poser des questions. Donc il veut un peu le flatter, le soudoyer ici là, pour cacher, dissimuler sa faute de l'adultère. Et parce que cet adultère a donné naissance à un fruit, c'est-à-dire à une, il y a une consommation, un fruit est en train de grandir, va bientôt se manifester dans le visible. Donc, on vous apprend ici. Uri lui répondit, l'arche de l'alliance, ainsi qu'Israël et Juda, habitent sous les tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne, et moi, virgule, je rentrerai chez moi pour manger, boire, et pour coucher avec ma femme. Donc, Uri ici, il dit à David que mes compagnons sont en guerre. Il y a plein de mes compagnons qui sont en guerre. Il y a plein de gens qui sont impliqués là-dedans. Pourquoi moi, spécialement, je dois rentrer
Je dois les laisser à la bataille. Je dois rentrer, manger, boire, festoyer et me réjouir avec ma femme. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Il mérite. Où est le mérite? Pourquoi lui? Il se pose la question. Il sait. C'est là, cela, il pose. Il dit à David, aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai pas cela. Donc, avec conviction, avec fermeté, il dit à David qu'il ne va pas le faire. Il n'ira pas chez lui se réjouir. Il n'ira pas chez lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas sa femme. Mais c'était quelqu'un, selon les bibliothèques classiques, il savait. Il savait, en gros, il y avait un esprit qui l'empêchait. Il y avait l'esprit qui l'empêchait d'aller parce que David a agi en secret. On doit découvrir cela. Donc, il y a un enseignement derrière. Dans le verset 12, on vous dit, David dit à Uri, reste ici aujourd'hui, encore et demain, je te laisserai repartir. Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa présence et il l'inivra. C'est-à-dire, il l'a inivré, il a fait saouler Uri. Donc, le but, c'est quoi? Il va le faire saouler. Comme ça, quand il va être saoul, il va faire en sorte qu'il rentre chez lui. Et comme ça, même s'il couche pas avec sa femme, il va être plus tard, si sa femme, elle accouche, ben, même s'il dit après que c'est pas lui qui a accouché sa femme, les gens sauront que mais, ce jour-là, tu es allé chez ta femme. Donc, vous voyez, alors, dans Habacuc 2.15, dans les Bibles classiques, on dit quoi? Maudit soit celui qui fait boire son prochain, toi qui inives ton foyer pour voir sa nudité. Donc, David ici a fait boire, il a usé de tromperie, il a usé, il a fait le vice. Il a fait boire, il a inivré ce personnage-là, ce monsieur-là. Le soir, virgule, Uri sortit pour s'étendre sur son lit avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Vous voyez, il n'est pas descendu chez lui. Il n'est pas descendu chez lui. Donc David était coincé. David était coincé. Puis il disait, waouh, c'est un bon soldat. C'est quelqu'un d'honnête. Mais il faut que je cache quand même cette faute-là. Comment je vais faire? Voilà ce que David dit. Là, c'est la phase 2 qu'on venait de... c'est la phase 2 qu'on venait d'expliquer. Donc, la phase 2, la phase 1, c'est l'adultère. La phase 2, c'est cacher son erreur. Bon, l'erreur, vouloir cacher sa faute, son péché. Et la phase 3, maintenant, David n'a pas envie d'être démasqué. Vous voyez, plus il s'enfonce, il ne fait que s'enfoncer. Donc, il ne veut pas être démasqué. C'est pour cela qu'on vous dit ici, verset 14, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lut et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il y a point ici. Donc, Uri a pris la lettre, vous voyez, pour aller donner à l'un de ses, on va dire, chefs ou généraux ou peu importe là-bas. Mais lui-même, il ne savait même pas ce qui était écrit dans le courrier, la lettre qu'il allait donner. Il ne savait pas que c'était la lettre là, c'était même sa propre mort. Donc, il allait remettre cela. C'est pour ça qu'on vous dit ici, le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et il la lui fit parvenir par l'intermédiaire d'Uri. Il y a point ici. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort plutôt du combat, puis reculez derrière lui, afin qu'il soit frappé et meure. Afin qu'il soit frappé et meure. Vous voyez ici, vous comprenez par là, David ne faisait que s'enfoncer. Donc, il voulait masquer complètement sa faute. Pourquoi il a voulu tuer Uri ici, selon les Bibles actuelles classiques? Tout simplement parce que quand Uri va mourir et que sa femme va sortir avec le gros ventre, le mari de la femme ne sera pas là pour dire « Ah, c'est pas lui qu'il a des témoins, ses compagnons de combat. » Vous voyez? Donc David, lui, en tant que roi, s'il dit « C'est pas lui », les gens vont croire. Donc vous voyez, il veut masquer sa faute. Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Voyez, donc ce Joab-là lui-même, c'est un traître. Lui-même, il a participé à la mort d'Uri.
voyez, parce qu'il avait peur du roi, mais il n'avait pas peur d'une taupe, il a maudit du prophète, il n'avait pas peur de la loi du verbe de l'Oba, il n'avait pas peur du plan spirituel, il a eu peur du roi, c'est pour ça qu'il a exécuté cet ordre-là. Donc, on vous dit ici, au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qu'il savait défendu par les vaillants, par de vaillants soldats. Les habitants de la ville firent une sortie et livraient combat contre Joab. Il y a point ici. Et ensuite, on vous dit, plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Uri, le Hétite, fut lui aussi tué. Point. Uri a été tué.